parti donc pour Ultimate Marvel, enfin pour Marvel, donc la finale Marvel. Marvel. Marvel, c'est Marvel, comme Maher le dans Breakers Rivals. On est au Stonefest, c'est Maher, la finale Maher, voilà. Non, Maher. Dans Breaker, c'est Maher, il n'y a rien à dire. En tout cas, voilà. Donc, finale loser, UMVC 3, c'est en 3. En 3. C'est évidemment trois gagnants best avec deux teams où on reconnaît du Magneto, du Doom dans les deux équipes. Donc suivez bien qui est le White Black. White Black en blanc. White Black pour l'instant qui mange le premier opening de Momochi. Mais y a quelque... en fait, il avait pris le tort, il avait pris l'assist. Donc White Black qui commence à donner au disrupteur. Pour l'instant, White Black qui a tout petit peu mangé, mais ça va, c'est pas trop grave. Il s'en est plutôt bien sorti. Et l'assist de Dante, mais White Black n'a pas le temps de reprendre. Il place la air throw. Normalement, il y a combo derrière. Yeah, et il a choisi une sorte de rosette maléfique. White Black, les Doom, l'assist missile qui va permettre de faire OTG. Et voilà la super qui passe pour White Black qui est sur le point de sortir le Magneto de Momochi, Million Dollar Baby. Tout de suite enchaîné, ça permet de tuer le premier perso sans problème pour White Black. Attention, la retombée, il mange l'arrivée. Momochi, voilà le hammer et le combo, le full combo de White Black qui doit absolument pas rater, mais il n'a pas l'habitude de rater ce genre de choses. Il choisit le snapback évidemment pour tenter d'ouvrir le Virgin sur son arrivée. Mais c'est quoi cette garde? Une garde bionique de Momochi, mais qui finit par se faire ouvrir. Et White Black qui drop son combo. White Black qui drop au pire moment, il réouvre, mais il redrop. Momochi qui comprend plus rien ce qui se passe. Il est un petit peu perdu pour l'instant. Ça c'est relativement safe, le disrupteur en assist qui permet à White Black de continuer à mettre la pression sur le Virgil. Ah voilà, Spiral Sword qui va éventuellement lui permettre de respirer un petit peu. Genre japonais, un tout petit peu débordé hein, dans ce début de round. Et il a trouvé le Happy Birthday. Momochi qui fait un comeback de l'invisible. White Black a absolument tué le Virgil. Oh, ça va être dur. Ça va être dur avec un Doom des Ténèbres tout seul contre le japonais qui a repris de sa vie grâce. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait White Black là? Qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Ah là là là, ça sent très mauvais. Je pense qu'il va mourir avec le Spiral Sword Doom du japonais qui a fait une remontée. On sait pas ce qui s'est passé. C'est très rapide, c'est Marvel. Et ça veut rien dire. Très beau comeback magnifique de Momochi. Alors là, complètement stun, hein. Franchement ce match il s'est passé des trucs assez improbables. Comme la chop pas confirmée derrière mais avec une Z-assist, c'était vraiment surprenant. Et du coup la chop pour Momochi qui va ouvrir voilà gentiment le magnéto de son adversaire dans le corner. Et ça retaque tout mais ça passe du bout de la bottine. Et du coup ouais, il va écraser son adversaire contre le bord de l'écran, il y a toute une barre à remonter, oh, il craque les barres. Il va craquer les barres, est-ce que ça va suffire à tuer? Non je ne pense pas, il est dans le corner, ça va faire assez de dégâts. Donc son Magneto est safe pour l'instant, il va vraisemblablement faire un DHC pour le safeiser. Et en plus il a chopé l'assist je crois, oui il a chopé l'assist, c'est la fibre, il va pouvoir tenter un comeback. Voilà il se TP, récupère les deux, il est du bon côté, tout va bien. Et du coup le double qui temporise pour l'instant forcément. Oh c'est dommage, c'était bien tenté, c'est mixable avec Dante. Mais du coup il vient le double, c'est très très bien foutu en dehors avec cette dive à wash. Et du coup pour l'instant il a réussi à le zoner, c'est bien joué, pas de confirme du coup l'effet, mais c'est pas grave, rien à foutre, il s'est déporté direct pour continuer l'assaut. Et voilà, White Black qui a activé le mode level 2 hein, pour la remontée des losers. En mode Saiyan qui pour l'instant voilà est tranquillement installé. Les petites deux barres en Marvel Kano Live, les modes 3. Un match partout, un happy birthday d'ailleurs rendu à Momochi. Voilà, ça peut aller très vite. Happy birthday, c'est quand on chope les deux persos, c'est-à-dire le perso d'adversaire et son assist dans le même combo, ce qui permet de faire évidemment très très mal. Oh, White Black qui chope en ouverture, en opening, chop d'opening avec un combo optimisé qu'on a rarement vu sur une chop derrière. Il est regardé la part du Magneto qui vole avec évidemment les missiles qui vont faire au TG et la super derrière Momochi qui s'est fait complètement remplir le Magneto sur cette opening. Attention, c'est maintenant que ça va jouer sur l'arrivée avec l'assist. Oh, Momochi, mais comment il sort de ça? Il a une garde bionique, mais il mange quand même la chop de White Black qui lui permet de l'envoyer dans l'autre corner avec le fly combo qui passe pour l'instant. Gravity Loop, non, snapback, il choisit le snapback pour évidemment le Virgin qui déchoppe. C'était magnifique de Momochi. Déchoppe serait pu faire très très mal cette chop pour combo, mais il a complètement une garde. Momochi finit par manger une rosette sortie d'une part de White Black. Voilà, qui part en air throw. Le throw combo qui passe, voilà, on retourne de l'autre côté avec le Iron Missile, ça s'est passé. Et voilà le Gravity Loop avec l'acide Virgil et la level max de Magneto. Ça va tuer, évidemment, ça fait trop mal, il reste que le Doom. Gros avantage à White Black, là. Attention, attention quand même, un Doom level max, surtout quand il fait chop et qui rate pas son double web dash qui lui permet de partir. Regardez la barre qui vole, le vol René qui s'en va.
Et Momochi qui prend largement une option. Oh, qui se fait ouvrir. Momochi qui se fait ouvrir. White Black. White Black qui est bien. White Black qui est bien. S'il rate pas son combo, il peut en finir. Oma qui rate. Oh, il se rate un petit peu, White Black. Il est un petit peu loin. Momochi qui n'a plus de X-Factor par contre, donc il n'a plus l'avantage sur White Black qui peut zoner tranquillement avec son assist à missile. Et voilà, White Black qui passe en Evil Trigger. Le mode Bankai, pour l'instant, il recule. Voilà, il a zoné, il va zoner. Il n'a aucune raison. Attention, Kaimo Doom hein, qui a 5 barres, mais qui n'a pas de X-Factor, donc il n'a pas du tout l'avantage. White Black qui n'a qu'à zoner. Pas de masse pour White Black. Franchement, ce combo optimisé Chop au début qu'on a vu, la barre, comment elle a volé, alors sur Chop on fait que la moitié des dégâts, c'était juste énorme ce qu'il a fait. Et là Chop à nouveau, voilà, c'est bien, allez, il trouve l'ouverture, il va peut-être en faire la même. Bon, pour l'instant du coup, voilà, vous voyez, les dégâts sont un petit peu moindres avec ce combo, mais du coup, effectivement, sur Chop, ce qu'il a tout à l'heure, je comprends juste pas comment il a fait. C'était juste assez exceptionnel, pardon. L'hyper grab, voilà, double pour récupérer, et encore une fois, voilà, Kovic et Squeeze, ça tue direct le Magneto. Voilà, on casse le Magneto, il sera pas mort, il est pas mort avec ça, mais il récupère. Il a récupéré avec le stand-head. C'était magnifique, il est pas mort, il veut pas mourir. Et du coup, évidemment, il va DHC pour pouvoir récupérer une demi-barre de vie avec son Magneto pour rentrer sur le banc de touche. Et du coup, est-ce qu'il va réussir à ouvrir le... Alors la question, c'est s'il ouvre, est-ce qu'il va snapper ou pas le Virgil ou le Magneto, je n'en sais rien. On va voir un petit peu comment il continue de développer son plan de jeu. Pour l'instant, il est en corner shop, donc les dégâts sont pas là. Mais c'est... Ah, il a tenté le reset, malheureusement, il se prend une air, il bat trop en défense. Et du coup, voilà, le double dans le corner, et bien, il est à l'aise, il envoie les combos classiques, il y a même avant HS. Qu'est-ce qu'il va faire? Un petit quoi, pull-up avec l'assist de Virgil, le air photon arrêt, après le plasma beam, et il se débarrasse du Magneto. Bon, et bien, du coup, voilà, avec juste ce que j'ai tout à l'heure, dans Marvel, il faut tuer, hein, parce que là, vous voyez, son Magneto, il a récupéré quasiment tout sa barre de vie. Heureusement que White Black il a retrouvé un tour de garde sur le double, sinon eh bien son adversaire avait vraiment bien repris l'avantage. Mais de toute façon c'est Marvel, c'est jamais terminé, donc il reste une once de vie. Et je suis long l'a prouvé bien des fois. Allez, ça tue pas, mais voilà, le cercle abordé, c'est ça par contre, c'est bon, ça tue. Le cancel de la furie par le Fury, mais il a mis ici pour accueillir son adversaire logique à garder. Et qu'en plus l'assiste dedans, il tente les mix-up, bonne garde, hein. Excellente garde du japonais Momochi. Oh bien joué le Fairplay, le Jumpwave en punition du Trigger barrière, RM de double. Et du coup, c'est mal barré avec Virgil, effectivement, qui a craqué les barres, le X-Factor. Plus ce niveau trigger, donc là, il est complètement full sans droit et il le montre en sortant le double. Il reste là qu'il tente. Dante et X-Factor, il y a totalement moyen de faire quelque chose. Non, se confirme. Alors, je sais pas si c'est un confirme, mais en tout cas, c'était complètement stellaire ce qui vient de se passer. Et du coup, voilà, il confirme. Eh, il est là, mon C'est maintenant que ça va jouer, Momochi. Et ça s'est joué à un Magneto, on peut le dire, hein. Peut-être que le Magneto. Ouh, White Black! Est-ce qu'il va prendre sa... Est-ce qu'il reste sur sa team? Est-ce qu'il va changer quelque chose? Gros moment d'hésitation. Et non, ça... Non, bah non. En fait... White Black qui insiste hein, sur la même team. Peut-être pour réussir un peu hein, ce retour au caractère select. Et c'est reparti, c'est sur le... Encouragement pour White Black. C'est le dernier. Le Japon est en face de lui. La porte pour la finale. Et White Black qui trouve l'ouverture sur... Je sais pas trop quoi, en tout cas pour l'instant. White Black snap back tout de suite, il veut attaquer le Virgil. Et il trouve le snap back sur le Virgil. Et X-Factor, il va pas le laisser vivre. Il va pas, il veut tuer. Et il faut qu'il le tue parce que sinon il arrive pour rien. Chaque fois X-Factor pour rien. Et White Black qui va le tuer sans dépenser de super. Mais s'il vous plaît, sans dépenser de super. Attention, c'est maintenant que ça va jouer sur le double. White Black, Momochi qui s'en sort très bien parce qu'il a perdu de l'autre côté de l'écran. Et il prend l'ouverture avec l'œil de missile, c'est pas grave, le combo en corner. White Black qui sera, tout cas peut-être tenté à reset, je sais pas trop. Pour l'instant ça touche, ça lui permet de sortir, de venir avec le Magneto. X-Factor! Momochi, X-Factor level 2. Il a... Voilà, c'était fou. Dans tout cas, il vient de tuer le Magneto. White Black qui n'a plus de X-Factor. Mais Momochi et le level 2 qui va durer moins longtemps, ça va peut-être bientôt finir. Voilà, White Black doit absolument tenir le temps que le X-Factor soit passé. Donc petit ouvert. Dur à l'émission pour gêner le combo de White Black qui passe en Evil Trigger tout de suite avec le DHC très très bien trouvé avec le Doom qui a entré pour l'instant le léger avantage à White Black. Les deux joueurs ont 3 barres et ont utilisé leur X-Factor. White Black a vu quelque chose, peut-être un assist. Ah non, c'est la femme de Spaz avec qui il a les 2 barres pour pouvoir aller main game. Oula, il s'en sort bien avec l'assist. White Black qui peut zoner. Super zoning au beam. Allez, White Black qui doit trouver l'ouverture là sur Doom. Attention, attention à pas se faire ouvrir. Le Doom tient 4 barres, mais qui n'a pas de X-Factor? Et voilà, je vous dis attention à pas te prendre le foot, le S. Ça peut faire très très mal tout de suite. Et surtout qu'il a quand même 5 barres. Ça devrait suffire à tuer. Non. Si, ça tue. Ouais, ça tue.
ça tue, et c'est maintenant que ça va jouer au dernier perso du dernier match. C'est la folie, le premier qui ouvre une match entre White Black qui n'a qu'une barre dessus. Ouh, avec le David Trigger, White Black qui trouve l'ouverture avec le David Trigger, c'est magnifique. Il faut pas qu'il se rate. Ilion, Dollar, Baby pour gagner le Stunfest. Alors pour gagner la fuite à Loser, vous avez compris. Et White Black. White Black, en tout cas, qui représente la France, qui sort le joueur japonais et qui va avoir, au moins avoir l'opportunité de jouer contre Justin Wong, ça va pas être simple. Mais au moins il y est. Ah ben, moi je suis complètement seul, moi là j'ai pris cher, là j'ai pris 10 ans. Justin Wong, White Black, tu peux réaliser un exploit, on sait jamais. Qu'est-ce que tu fais s'il gagne? Ah, bon, ce que tu veux. Ah voilà, ça parle parce bien. Parce qu'avec le reset, moi je fais ce que tu veux. Vous verrez les fesses de Seth Gravija si White Black remporte ce tournoi. Ce que tout le monde veut voir. Alors, White Black, je vous rappelle qu'il doit gagner de 7. C'est la grande finale de Mawel. La grande finale du MVC 3. À toi de ça. Franchement, juste total respect à Momochi qui a failli sortir un des meilleurs joueurs d'Europe. Alors qu'il joue pratiquement pas au jeu. Franchement, ces japonais, c'est n'importe quoi. Et complètement seul. Moi, je commence à trembler partout. Ça y est, c'est le début de la fin. Heureusement que c'est le dernier jour. Et à peine j'ai le temps de me remettre que c'est juste Justin Wong, White Black, voilà. Le Battle Jack est passé ou pas? A priori pas, je crois pas. Tu crois qu'il sortirait une autre team à un moment? Je sais pas, je pense qu'il est vraiment, enfin il veut vraiment rester sur sa team pour l'instant, Magnetic, je sais pas s'il va changer. Et c'est parti, Justin Wong contre CDV, Justin Wong contre CDV, White Black. Allez, pour l'instant, eh bien, grosse agression au niveau de l'eau, il a récupéré du coup de la glisse, ça rentre, non, ça bouge pas. Malheureusement, il est un tout petit peu trop loin, c'est pas grave, il a déjà enlevé la moitié de la barre sur le Wolverine, c'est déjà un bon début, il est déjà pour Berserker Slash, c'est bien, ça bloque un peu le contrôle du sol, voilà, il a récupéré, il a pas pu récupérer l'assist, malheureusement, c'est dommage, c'est pas grave, pour l'instant, le jeu suivant va devoir, je pense, faire un tac, parce que, non, du coup, il va tenter la double Fury, voilà, il est de barre, donc effectivement, il peut garder le magnéto comme ça. Allez, le magnéto est arrivé, oh, bien évité. C'est ce que j'expliquais, c'est terrible si on évite le premier man game avec Wolverine, on retombe dans le Tatsu, ça fait toujours très très mal et voilà. Mais juste il arrive, il a perdu son dent, hein. C'est n'importe quoi à cause de X-Factor, pour l'instant le Doom, ouais, il a déjà fait des comebacks avec Doom, White Black, on peut lui faire confiance, pour l'instant sa zone, voilà, ça repousse les assauts du Wolverine, il a raison, hein, parce que une ouverture du Wolverine ça peut être la fin. Pour l'instant il n'a qu'une seule barre, hein, mais un seul combo puis il devrait en avoir une deuxième et de tuer le Doom sur un seul combo. C'est un peu la grosse dangereuse. Oh oui, il a réussi à le choper, c'est bon là, voilà, on va avoir chess. On est en corner, on va pouvoir l'éclater gentiment contre le bord de l'écran. Voilà, au pire, on a un petit air plasma view, ça tue, même pas besoin de craquer de la barre. Il a 4 barres, le double X Factor, donc il peut totalement faire le travail. Si ce n'est que voilà, Justin Wong maintenant, il va avoir sa Storm qui va être très très dur à attraper. Ça tente de plier, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non, il peut rien faire, il n'a pas de DHC. S'il avait une barre, il aurait pu le DHC avec le... Alors ça dit, il a plus de X-Factor, c'est déjà ça, il ne peut pas lui faire la face complètement infâme avec énormément de dégâts sur deux headstorms. Mais pour l'instant, voilà, il joue son endgame classique. C'est compliqué, hein, parce que la storm de Justin Wong est très très mobile et il attend la moindre erreur. Voilà, pour se faufiler, trouver un trou et pour moi, ouvrir un combo, c'est vraiment très très compliqué. Ça paraît pas violent, hein, parce que c'est passé à l'écran, c'est pas grand chose, mais en fait, c'est juste qu'il gère très très bien ce pixel à l'écran et la moindre erreur. Voilà. Ça se voit, la façon dont la storm bouge, la façon dont le perso bouge, c'est ça qui est assez exceptionnel, hein, chez Justin. En tout cas, pour l'instant, oulala, l'acide de White Black a fini par manger. Là, il y a eu une double touche. Ah, il mange encore le Tatsu à Sistakuma. Et Justin, voilà, qui trouve l'ouverture avec le combo Magneto is dead. Non, 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 c'est terminé. Il n'y a pas grand chose à dire. Justin qui nous régale avec un petit combo. Oh, qui se rate un tout petit peu sur la fin. Ou peut-être vous laisser vivant. Quoi qu'il en soit, là, c'est White Black qui trouve l'ouverture. Avec, voilà, le Ariane combo qui passe pour White Black. Il va DHC derrière, voilà, avec Million Dollar Baby. Ça va pas suffire à tuer ça, mais il a encore une barre. Il va claquer la dernière, bien sûr. Il faut tuer absolument dans Marvel, ne pas laisser l'adversaire vivant. Puisqu'il reste sur le Doom, il reste sur le Doom avec un assist. Et il trouve l'ouverture, mais ça... Ah, ça touche pas bon, ça touche pas bien. Avec voilà, l'assist à Kuma qui est légèrement touché, mais qui permet à l'instant de Justin Wong de revenir en corner. Il a deux barres. Et Justin, voilà, il claque, il tape le Fury. Peut-être pas de DHC derrière. Il faut une sorte de reset en main game et White Black qui va perdre évidemment son Doom. Et voilà, mais c'est tout à fait pas terminé. Le Magneto, tout de suite,
comment ils voulaient ouvrir là-dessus. Il y avait une boule en l'air, il y avait tout, et le Magneto est mort. Voyez, ça peut jouer. Quand on perd un perso, c'est très compliqué d'arriver sur le stage. Contre Justin, c'est trop l'ouverture et c'est terminé. On peut aller dormir. Je pense qu'il est en X-Factor, il a deux barres, il n'y a plus rien à dire. C'est Justin Wong. Justin Wong, on peut l'applaudir. Justin Wong, c'est le meilleur joueur du monde pour beaucoup, hein, considéré comme le meilleur joueur du monde de Marvel. Mais il y a un seul joueur au monde qui peut battre Justin Wong, hein, actuellement. Hein. Donc c'est compliqué. Simple. White Black, est-ce qu'il va changer sa team? Est-ce qu'il va... On sait jamais, hein. Peut-être ici j'ai plus rien à perdre. On sait pas. Non. C'était uniquement pour respirer un peu. Allez, on leur courage, c'est peut-être son dernier match. Au moins pour qu'ils prennent un match à Justin, ça sera déjà une belle performance. Dans cette finale, le Français, qui a quand même réussi à atteindre ce stade de la grande finale. Qu'est-ce que c'est dur, c'est dur. Oui, tout à fait. Une remontée des losers, voilà, vraiment assez terrible, en éclatant énormément de très bons joueurs sur son passage. Et là, du coup, voilà le dernier match, peut-être pas le dernier match pour Justin Wong qui trouve l'ouverture de garde tout de suite sur Virgil. J'avais déjà sorti un petit Virgil, je l'ai même pas vu. Et du coup, il trouve l'ouverture de garde tout de suite, ça crame 2 par direct, ça va tuer. Bah oui, c'est n'importe quoi, mais sur ce THU, laisse tomber. Alors, le Taskmaster, est-ce qu'il va pouvoir ouvrir des petits Mind Game Shop pour essayer de se débarrasser de la... Oui, il a trouvé l'ouverture de garde encore merci. C'est bien, ça, voilà. Ça va faire les petits combos tranquilles qui vont bien, ça se retourne, c'est pas trop grave, on va pouvoir mettre. Oh oui, c'est bien vu ça. C'est tellement bien vu, voilà, les level 3, ça c'est fait, normalement ça... Ah, je sais pas si ça tue, ça va être un peu juste. Ah, il le laisse à 0 HP, damn it. Voilà, c'est ce qui a pris de Torgnol, et voilà, en chip damage, c'est très bien ça, voilà. C'est bien, la Storm, est-ce qu'avec son Wesker, il va pouvoir tenter quelque chose du coup, en mix-up. Allez, le RS encore, le petit jump RS qui trouve preneur. Encore une fois, il va nous tenter un comeback avec Taskmaster. Parce que là, voilà, c'est... Oh là, avec le X-Factor en plus, mais la barre qui n'existe plus. Taskmaster probablement un des meilleurs persos du tellement compliqué, voilà, l'air shop pour Justin Wong qui n'a plus de X-Factor par contre, il reste encore X-Factor de là-bas. Donc on va voir si jamais il trouve l'ouverture éventuellement sur ce temps, peut-être qu'on va pouvoir discuter. Mais c'est tellement compliqué, voilà, il appelle sans arrêt son assist au sol pendant qu'il contrôle les airs avec ses 3 jump RS. C'est vraiment compliqué. Oh, ça passe en dessous, est-ce qu'il va pouvoir finir? Non, il va pas pouvoir finir. Mais c'est pas grave, bon, il a sécurisé avec le X-Factor. Ça protège bien pour l'instant les RS. Attention, on reste encore à nouveau de la Storm. Il s'enfuit, voilà, toujours, hein, il temporise. Mais là, Kuma, il a perdu mid-bar hein, sur un malentendu. Si je prends une, super, il peut complètement perdre son perso. Voilà, c'est maintenant. Ah, il n'a pas eu le temps de la placer, malheureusement. Et du coup, Justin Wong s'en est rendu compte. Hein, il a eu peur pour son assist. Il a brûlé le Storm direct pour essayer de sécuriser. Ça protège bien pour l'instant. Il y a 3 barres du X-Factor, mais il y a 3 barres. Peut-être sur un jump pour bourrer le X Scooter, je ne sais pas quel quoi faire de toute façon. C'est juste un meilleur joueur, on remonte en face. Et pour l'instant, à l'échange, il a un petit peu l'avantage. Mais il tient bon, le Wildback tient bon, il a 35 secondes de match encore. Il s'est pris le Tatsu. Regardez ce qu'il met celui-là. Oh, mais regardez ce spacing, c'est infernal quoi. Oh oui, c'est bien joué, celui-là, c'est qui a pris le dernier au passage. Ah, il reste 40% de barres. Oh non, et malheureusement, je pense que c'est terminé. Ouais, là, il lève la tête, il sait qu'il a potentiellement perdu. Justin Wong et Imperial, encore une fois, on peut les applaudir, s'il vous plaît, franchement. Mais que faire contre ce joueur? Et comme Malek et Zouzou le disent, oh my brother, testify!